Getno Monfredonia, auteur d'une thèse récente sur l'individualisme anarchiste, définit fort bien la caractéristique dominante de cette période. Initiative individuelle, libre entente, communisme libre, propagande par le fait, spontanéité du fait révolutionnaire. Telles furent les notions qui délimitaient le champ idéologique de l'anarchisme des années 1880, et qui toutes renvoient à une conception de l'individu autonome, agent de la transformation sociale. Dans ces conditions, quels peuvent être les rapports entre ces individus autonomes ? Quasiment nul, car il n'existe aucune fédération ni liaison stable, seuls des groupes les réunissent périodiquement. De quelle manière ? Émile Gautier l'a défini explicitement au procès de Lyon. Il faudrait s'entendre sur ce qu'est un groupe. À Paris, au moins, les groupes anarchistes sont de simples rendez-vous où des amis se réunissent chaque semaine pour parler entre eux des choses qui les intéressent. La plupart du temps même, on n'y voit guère que de nouvelles figures, à l'exception d'un petit noyau de 4 ou 5 fidèles. C'est par conséquent un lieu extrêmement ouvert, sans aucune obligation ni devoir pour les participants, ni de décliner leur nom et qualité, ni de s'engager dans quelque activité que ce soit. L'individu est complètement libre et autonome dans le groupe, et celui-ci, à son tour, l'est pareillement dans la fédération éventuelle. Aucun lien ni coordination n'existe. Mieux encore, comme le commente Getno Monfredonia, au nom des principes d'autonomie individuelle et de libre initiative, tout lien organisationnel stable se trouve rejeté comme étant autoritaire, donc anti-anarchiste. Il n'y a pas à s'étonner, par conséquent, si des malades mentaux ou surtout des agents provocateurs apparaissent dans ces groupes, s'y expriment à loisir et y tiennent des discours les plus incendiaires et provocateurs. Même Jean Grave finit par s'indigner qu'il y ait des détraqués et des escrocs qui discutent à perte de vue sur le droit à estamper les compagnons. En effet, la voie illégaliste, logique pour des révolutionnaires, face à un système qu'ils contestent est diversement interprétée par les uns et les autres, au point d'instituer la reprise individuelle comme moyen d'émancipation, au besoin par le meurtre. Ravachol commence par là. Il assassine un vieil ermite pour s'emparer de son magot. D'autres pratiquent l'illégalisme de façon moins criminelle. C'est ainsi que sont consacrés l'union libre, le déménagement à la cloche de bois et autres procédés de débrouillardise. Tous ces moyens sont inclus globalement dans la propagande par le fait quotidien, certes, mais sa meilleure expression demeure pour beaucoup l'éloquence sauvage de la dynamite. Pendant des années, elle reste sur le plan verbal, puis à partir d'exactions policières, un 1er mai, un cycle d'attentats meurtriers s'enclenche. En l'espace de 2 ans, elle va volatiliser tous les acquis libertaires pour ne plus donner de l'anarchiste que l'image de l'homme à la bombe. Quant aux explosifs, il ne s'agit plus de la boîte de sardines marseillaise d'Andrieux, mais de véritables et meurtrières bombes. Leur mode d'emploi a été largement diffusé par des personnes bien intentionnées, et il se trouve des exaltés ou des innocents manipulés pour en faire usage. Pourtant, le modèle de cette stratégie, les populistes terroristes russes, aurait dû servir de leçon par sa piteuse évolution. Rappelons les faits. Après plusieurs tentatives sanglantes, ils réussissent à atteindre et tuer le tsar Alexandre II. Certes, ce n'était pas un parangon de démocratie et ne manifestait que des velléités de réforme. Cela dit, il avait tout de même aboli le servage en Russie en 1861. Peut-être, ou même certainement sous la pression des événements et des répercussions de la défaite subie dans la guerre de Crimée en 1854-1855 contre les Anglo-Français. Cependant, à travers son assassinat, c'est toute sa politique qui se trouve condamnée auprès de son successeur, Alexandre III, lequel s'empresse d'introduire une noire réaction. C'est aussi un coup d'arrêt au mouvement souterrain que menaient parmi les masses paysannes des milliers de révolutionnaires anonymes qui avaient suivi le conseil de Bakounine d'aller au peuple et de se mettre à son service. Voulant accélérer l'histoire par quelques actes héroïques, les terroristes russes avaient cru faire l'économie de la nécessaire prise de conscience des masses paysannes, engourdies encore par 2 siècles et demi de servage. On retrouve ici aussi la nocivité du schéma conspirateur blanquiste, un petit groupe d'élus se substitue et choisit pour tous. On retrouve encore un autre agent secret tsariste dans l'affaire du groupe anarchiste de Liège. Il s'en avère être l'artificier et le chef.
la patte du chef de l'Okhrana, Ratchovski, y apparaît clairement. Quelques années plus tard, la fabrication des fameux protocoles des sages de Sion lui sera imputée. On pourrait penser que ces événements, bien connus sur le moment, auraient pu ouvrir les yeux des compagnons sur les dangers du bombisme. Neni, il se contente de marquer tout au plus les limites de ce moyen de lutte. Ainsi, en 1891, Kropotkin constate que « Ce fut l'erreur des anarchistes en 1881, lorsque les révolutionnaires russes eurent tué le tsar. Les anarchistes européens s'imaginèrent qu'il suffirait désormais d'une poignée de révolutionnaires ardents, armés de quelques bombes, pour faire la révolution sociale. Un édifice basé sur des siècles d'histoire ne se détruit pas avec quelques kilos d'explosifs. » La révolte, numéro 32, 18-24 mars 1891. Mu par le même héroïsme sacrificiel que les terroristes russes, des anarchistes se mettent donc à appliquer à la lettre les préceptes détonnants de la propagande par le fait, prêchés en vain à cette échelle depuis des années. D'innombrables actes similaires, heureusement moins meurtriers, œuvres d'émules plus ou moins sincères ou même de mauvais plaisants, emboîtent le pas. Or, le phénomène n'est pas incontrôlable pour tout le monde. Le pouvoir d'État ne tarde pas à le retourner en sa faveur. L'année 1893 avait vu l'affaire Scandale de Panama ébranler le régime parlementaire tant il s'était révélé corrompu et compromis. Dupuis, autoritaire à poigne, fut chargé de sauver les meubles. Il tenta une manœuvre de diversion, comme souvent en pareil cas, en ordonnant la fermeture de la Bourse du Travail le 1er mai 1893. Cela ne se retourna pas vraiment en sa faveur. Ce qui inquiétait particulièrement Dupuis, toujours selon Reynaud, c'était la propagande libertaire qui s'étalait au grand jour et tenait les esprits dans un état de rébellion latent. Les socialistes et les fauteurs de coups d'État, dit-il un jour à Puybarot, « Je m'en charge, je sais par où les prendre, mais je m'avoue effrayé par ce virus d'anarchie qui s'est introduit dans l'organisme social où il exerce de terribles ravages. C'est ce virus surtout qu'il s'agit d'éliminer. Il constitue à mes yeux le véritable péril. » En effet, les premiers attentats anarchistes avaient été assez bien accueillis, selon Reynaud, par le peuple qui acclamait les propagandistes par le fait comme des libérateurs, car ces actions ne visaient d'abord que les tyrans, les souverains, les chefs d'État, les satisfaits, les magistrats et les policiers. De plus, l'anarchie était fort à la mode parmi les littérateurs et les artistes, sinon dans les salons mondains. Le 9 novembre 1893, Vaillant jette sa bombe dans la chambre des députés, ne faisant que quelques blessés légers. Toute la classe politique mouillée jusqu'au cou dans le scandale de Panama est fort aise de l'aubaine. L'attentat lui sert de paratonnerre et l'attention de l'opinion est détournée vers les boucs émissaires que sont ces dangereux anarchistes. D'autant plus que Puybarot organise toute une campagne d'attentats bidons dans tous les quartiers de Paris, provoquant un revirement dans l'opinion à l'égard des anarchistes. Dans la foulée, les députés n'ont plus qu'à voter les lois scélérates de 1894 et la boucle est bouclée. Les idées libertaires sont enfin considérées comme un délit d'opinion et la répression peut s'exercer massivement. 2000 perquisitions à travers le pays, des dizaines de condamnations pour délit d'anarchie. Enfin, un procès de 30 anarchistes de renom. Ce dernier tourne malgré tout à la confusion de l'accusation et la quasi-totalité des accusés sont relâchés. Signalons un incident cocasse pendant les débats. Le procureur Bulot, l'ennemi juré des anarchistes, ouvre son courrier au cours d'une audience, probablement pour se délecter de nombreuses lettres de dénonciation d'anarchistes qu'il ne cesse de recevoir quotidiennement. Lorsqu'il se lève soudain et demande une suspension de séance. « Je demande une suspension d'audience d'une minute. Je viens de décacheter un paquet qui m'est arrivé par la poste et qui contient des matières fécales. Je demande la permission d'aller me laver les mains. » La grande majorité des anarchistes, dont Kropotkin, reclus, graves, malato et malatesta, finissent par se désolidariser totalement des attentats. C'est un peu tard, car ils se sont laissés, certes à leur insu, dicter la ligne de conduite du mouvement durant des années par les officines de leurs ennemis. C'est donc pour eux, sans conteste, une lourde défaite. Ils vont essayer d'en tirer les leçons, parce qu'en fin de compte, c'est bien à partir de là que le mouvement a dérapé. Désormais, une frontière nette va s'établir entre le courant communiste libertaire social et la mouvance anarchiste individualiste, promise encore à faire parler d'elle de manière retentissante.
Sad that you're no longer, no longer, no longer. It's it.